Sans passeport. Et sans passeport. Mamie Nova, noix de coco. Il n'y a que toi qui me fais ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous pouvez désactiver ton Bluetooth. D'accord. Partagez le direct, il y a un Bluetooth qui est activé. Ah, c'est ça. C'est ça aussi. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, je ne vais pas trop durer ici. Donc partagez le direct, c'est fait chérie. Pourquoi ça sort pas, putain? C'est sûr que les deux téléphones sont pas trucs. C'est bien, là c'est pas bleu, le son est désactivé, les deux. C'est bleu, les deux mètres. Faut faire encore. Je me dis impossible. Partagez le direct. Je vais mettre le bleu tout rapidement. T'avais tout à désactivé. Ouais. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous préviens, mauvais commentaire sera bloqué. Voilà. Soit tu regardes, soit tu dégages. Merci. Vous venez, on n'a pas commencé à parler. Vous voulez commencer à mettre les commentaires babillés. Quelqu'un a voulu sa baisse gueule ici, le bloque. Et puis il va venir pleurer, il ne bosse pas de débloquer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Il y a quoi qui a activé quelque chose? Pourquoi? On dit vous avez activé quelque chose sur la télé. Mais non, je ne vais pas activer la télé, wesh. Partagez le direct. Merci pour les cœurs. Envoyez les étoiles, mes bébés. Il y a longtemps, je n'ai pas donné d'étoiles. Mettez les étoiles. Oh, j'ai horreur de ce qui se passe avec mon truc là. Voilà, c'est bon. Partagez le direct. On a combien de partages? Partagez le direct, s'il vous plaît. Allons à 2000 partages rapidement. Allons à 2000 partages rapidement. Partagez le direct. On a... Allons à 2000 partages rapidement. Allons à 2000 partages rapidement. Partagez le direct. Excusez-moi. Ouverture d'étoiles. Qui fait ouverture d'étoiles? Je ne vais pas trop durer ici. Parce que j'ai une émission à faire tout à l'heure. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Comment on fait pour les étoiles? Clique sur les étoiles. Facebook va t'aider à suivre la procédure des étoiles. Je vous présente ma copine. Elle s'appelle 5 étoiles numéro 2. Elle, c'est 6 étoiles. Moi, c'est 5 étoiles, c'est 6 étoiles. Donc, parlons, partageons, partageons rapidement, s'il vous plaît. Partageons rapidement. Je vais aller dans le direct... Voilà. Non, directement. Ouais. Je rentre directement. Oui, oui. Il n'y a pas de voix de tes affaires. Cette. Oui, oui, vous parlez, c'est lui qui s'est moqué de moi. Je suis un grand. Ça m'étonne. Voilà. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes à 1000 personnes, c'est pas assez. Partagez le direct. Je vais reculer un peu ma copine. Ma copine 6 étoiles, mets-toi à côté. T'es plus belle que moi de toute façon. Je suis jalouse de toi. Bon. Les vraies choses vont commencer. Donnez-moi mes 2000 partages, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Et puis, je pense que j'ai bipé un blogueur. Si vous voulez, vous le taguez. Si vous voulez, ne le taguez. Pas mon problème. De toute façon, j'ai un message à passer. Voilà. Qui sont ces Français qui mangent extra chaque matin? 13 autres mamies gâteaux. Seuls les gourmands savent. Partagez le direct, partagez le direct. On a combien de minutes de direct?
Donnez-moi les 2000 partages rapidement. Voilà. Merci pour les 100 étoiles. Il y a quelqu'un qui m'a insulté, moi et ma mère en même temps. Nesungruba de eba bien farali. Eba sungruba et mamuso sungruba et koromuso sungruba et yere sungruba. Lokadi. Iba bien chitigele. Iba bien farali. Eba bien raccommodele. Numéro et blatounikana. Iba bien fort. Iba bien tolele blanega directi konoa. Nyama ding. Babie ding. Mais vous venez commenter, vous pensez qu'on comprend pas Bambara, vous faites. Vous pouvez pas que Facebook bloque que vous écrivez en ethnie. Il va bien chitikele. Il va bien raccommoder. Il va bien calaler. Mon ami blague, alors on a laissé qu'à dire. Il va bien clôturer. Il est affié. Maintenant, il peut te bloquer. Chienne. Mercon. Go by Jule. Mais il faut regarder si tu peux la bloquer aussi là-bas. Celui où tu admires, c'est quel profil? C'est ça, mon ami. Moi, c'est que je l'ai bloqué. Oh, Facebook m'a fait tchou les étoiles. Merci pour les 500 étoiles. Merci, mettez les étoiles. Longtemps, il n'y a pas bouffé votre argent. Bon, bonsoir, bonsoir. J'attends qu'on atteigne là-bas des 2000 partages. Je vais m'adresser à un collègue, voilà. À un collègue et à un frère blogueur qui est du nom de AP. Et je pense que ça sera la dernière fois que je m'adresse à lui. Voilà, bipez-le-moi avec sa soeur. Sa soeur que vous connaissez. Je ne vais pas la surnommer ce soir. Parce que là, je suis dans mon sérieux. Je serai dans tout mon sérieux, par contre. Voilà. Donc, partagez le direct. On doit atteindre la barre des 2000 partages. On a combien de partages déjà? Mettez les étoiles, merci pour les 500 étoiles. Qui a envoyé les 500 étoiles là? Merci, arrête des abeilles. Damn. Hey! Mondial! Hey! Il y a baissé un peu ma caméra. Je suis venu derrière, comme le poil en poussé. Jolie femme bêtée, mais elle m'épilée. Merci pour les 100 étoiles. On est là. Merci pour les 200 étoiles. Bon, botaniste, mais moi les noms de ça. Continuez à partager le direct, s'il vous plaît. Continuez à envoyer les étoiles. Continuez à envoyer les étoiles. Alors, ce soir, j'avais deux sujets.
Le sujet, c'était quoi? C'était le sujet Carmen Sama, celui qui Diabaté. Parce que j'ai pas trop regardé les vidéos, ou avec le voyage, j'étais un peu décalée. Et ensuite, voilà, parler d'un autre sujet. Merci Laetitia Mori pour les 100 étoiles. Et parler d'un autre sujet que mon mari a tapé sur ma bouche, je me dis non. Je suis une star, je ne suis pas n'importe qui. Je dois parler d'un sujet qui est déjà en vogue. Pas un sujet dormant. Voilà. Pas un buzz dormant. Ou un buzz qu'on veut créer. Je ne suis pas là pour fabriquer. Voilà. Quand on se dit star, on fait bim. Et puis nous, maintenant, nous les stars, les autres stars, on vient en parler. Mais quand c'est déjà entré dessus, les buzz sous couloir, là, nous, on ne va pas venir rendre ça grand. Et puis les autres, on va venir manger dedans. Donc, les deux sujets ont été morts ce soir. Donc, je tenais à faire un direct tout à l'heure. Pour que mes abonnés appellent, parce qu'il y a longtemps on n'a pas papoté, il y a longtemps on n'a pas causé. Dans ce direct là, je vais vous laisser appeler. J'ai parlé pendant 10 minutes, 10 à 20 minutes. On a fait pratiquement 40 minutes de direct. Donc je vais parler. Bon, on est déjà à 20 minutes, hein. Donc on est déjà à 16 minutes de direct. Donc je vais faire 20 minutes où je parle, peut-être 15 minutes où je parle. Et ensuite, je vais vous laisser 20 minutes pour appeler. Donc on va mettre ça en gros, une heure de direct. Envoyez les étoiles si vous avez envie d'appeler. On va mettre le numéro, vous allez appeler. Parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas papoté avec vous. Alors, ce soir, je voudrais m'adresser à un frère blogueur que j'ai tagué. J'espère que tu vas bien. Voilà. J'ai toujours évité les clashs entre nous. Parce que je me dis que quand même, on a, voilà, on est des frères. On est des alliés virtuels. Dans la vraie vie, on se donne des nouvelles, même quand ça prend des jours, quand ça prend des semaines. Parce que moi, je suis quelqu'un... Coucou Flo, comment tu vas? Du coup, moi, je suis quelqu'un... Quand ça va pas, je préfère prendre du recul sans rentrer dans les clashs parce que les clashs, c'est ridicule. Après, les gens avec qui je me clash avec eux, c'est les gens qui aiment vraiment les clashs, les gens qui me provoquent, ils vont à fond. D'accord? Donc, je vais m'adresser ici à toi rapidement. Moi, j'ai jamais eu de problème avec toi, P. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec toi. Et je pense que ta soi-disant sœur que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, dans le passé, a insulté ta mère, comme moi aussi, je l'avais fait quand il te lavait, il est traité, ce qu'il devait traiter, puis je suis passé. Et quand on devait s'excuser, on s'est excusé. Et aujourd'hui, on est devenu une très, très belle famille. Voilà, dans les, sur les réseaux sociaux et hors des réseaux sociaux. Donc, cette fille aujourd'hui qui s'est fait passer pour ta soeur, on a vu comment elle t'a jeté à la vedette populaire, comment elle a jeté ta mère à la vedette populaire, et que c'était encore même nous-mêmes qui sommes venus encore faire ce pas-là. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, parce que c'est revenir en arrière, c'est remuer le couteau dans la plaie, je ne suis pas là pour ça. À un moment donné, on a l'impression que, Jean, tu es devenu quelque chose au milieu qu'on est en train de te lutter. Ceux qui te luttent, moi je pense que c'est les gens qui cherchent la visibilité. Si c'est deux vues, Dieu m'a déjà donné. Toi-même, tu le dis toujours, sur Facebook, après toi, c'est moi. Tu es dans les 300, 400 000 abonnés, mais c'est 600 000 abonnés. Je suis à mes 200, 4 000 abonnés. Je vais doucement, je vais faire la course avec personne. Personne. Voilà. Ça veut dire que je ne fais la course avec personne. Quand j'ai commencé mes vidéos aussi, si je voulais faire le buzz, insulter tel, les grands stars pour avoir des millions de vues là, il allait commencer ça depuis. Mais quand j'ai commencé mes vidéos en 2018, c'était la sensibilisation. Je dansais en lingerie, je me faisais insulter et j'aimais ça comme ça. Ça fait plusieurs mois, depuis que je dis que je ne suis plus dans le comité, cette blogueuse, que je ne vais pas surnommer ce soir, elle a toujours, depuis que je dis que je ne suis pas dans le comité, elle a toujours titillé, essayé de cogner les têtes. Elle a essayé avec mon ex-copine, que j'ai présentée aux yeux du monde ici. Cette fille a pris sa vidéo, dans la vidéo d'une fille que j'ai présentée aux yeux du monde, m'insulter dans sa vidéo, me traiter de prêteuse de tous les noms. Aujourd'hui, la fille et moi, la fille ne passe pas tous les moyens, mais je ne veux plus, je préfère rester dans mon coin. Parce que je me dis que si tu as donné occasion à quelqu'un, c'est pas donné occasion qu'on m'insulte. Si tu n'as pas critiqué quelqu'un là, est-ce que quelqu'un va prendre. C'est pas moi ici assis ici. Et puis, il est sorti dehors là-bas. Par exemple, mes mères rendent visite à Kadi, puis Kadi prend mon téléphone pour insulter mon mari dans mon direct. C'est que ça va donner l'occasion, bien oui. Donc, quand ces gens de personnes, moi je m'en méfie et je reste dans mon coin. C'est pour ça que je suis la guette seule. Je n'aime pas être en groupe comme un troupeau de chiens qu'on guide, non. Moi, j'aime être la guette seule. Depuis longtemps, j'ai toujours été une brave petite fille qui se cherche. J'ai bravé l'océan Atlantique. J'ai bravé le désert du Mali. Ouais. J'ai vécu le soleil de Bamako. Ouais. J'ai tout vu dans ma vie. Ce n'est pas Facebook. On va regrouper les gens comme des bétails. Et puis qui va guider qui? Qui va conduire qui? Qui va commander qui? Je ne suis pas habituée à ça. Oui. C'est pour ça que quand je suis rentrée dans cette histoire de comité, j'avais mon caractère. J'étais un peu impulsive. J'étais un peu... Quand on m'agresse, je suis du tic au tac. Voilà, parce que j'ai vécu des choses qui ne me permettent pas dans ma vie de me laisser marcher dessus par quelconque personnalité ou personnage virtuel. C'est pour ça que j'étais un peu sur la défensive. D'accord? J'ai vu que plusieurs fois, cette fille a tenté. Elle a essayé avec mon ex-copine. Elle a réussi. Qui m'appelle, Seigneur? Si je décroche, mais à mon direct, elle va se couper.
Elle a essayé plusieurs fois, plusieurs reprises de me mettre en palabre avec toi. Elle a essayé plusieurs fois. J'ai esquivé. J'essaie d'être plus grande. Mais jamais, tu n'as dit sur la place publique, arrête. Arrête, arrête. Après, les gens, ça fait des bruits de couloir. Comme quoi, oui, il y a une marraine qui la finance, qui te finance derrière. Donc, vous avez quelque chose en commun, tu peux pas la lâcher. Après, les gens parlent, mais moi, je m'en fous. Parce que moi, je suis quelqu'un, tant qu'il n'y a pas de preuves, j'aime pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Okay. Et je m'en bats les couilles des relations des gens. Je suis comme ça. C'est mon côté vérité, là. Il aime crier fort. C'est ça, là. Les gens voient. C'est-à-dire qu'on me voit comme un élément perturbateur pour un quelconque groupe. C'est pour cela que je préfère rester la diète seule. Je me commande moi-même. Je me guide moi-même. Et je suis mon propre... C'est-à-dire que je suis le propre chauffeur de ma vie. Je ne sais pas si tu, veux, si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Je me suis battue toute seule, sans l'aide de personne pour être là où je suis. Donc, je n'ai pas besoin de m'accrocher à un quelconque blogueur pour avoir de la visibilité. Si je veux buzz aujourd'hui, là, je me mets en stream, je divise mes fesses en deux. Allons aller pour la capitale, mes vidéos, enfin, ça va faire le buzz et le corps qui va avec. Mon ventre, il est naturel. Il a fait un enfant. Quand il grossit un peu, ça sort. Mes fesses sont naturelles. Quand il grossit, ça, vous avez vu que ça a bien sorti deux jours là. Il y a trop moyen de plaquer les deux de Kounou. D'accord? Je n'ai pas besoin de quelqu'un, qui que ce soit. Cette vidéo que je vais mettre ici, je ne l'ai pas suivie. Bon, moi, depuis hier, je suis un peu, depuis avant-hier, voilà, depuis que je suis arrivée, je vais chauffer un peu Facebook et tout. J'ai fait une vidéo hier, je te l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois déjà, où je dis la prochaine fois aux Oscars, si mes papas, mon hôtel, je ne vais pas parce que j'ai dépensé plus de 3000 euros la dernière fois. Je suis une blogueuse, j'ai le droit de dire mon mécontentement. Ce n'est pas tout, on doit dire en inbox, on dit en inbox, c'est que c'est grave. Moi, j'ai fait mes trucs pour chauffer mon blog. Moi, j'ai fait mon truc pour chauffer mon blog. D'accord? Vous savez, souvent, c'est ce qu'on dit derrière la porte qui sort devant la porte. Mais je ne vais pas forcément dire que ce que cette fille a dit est vrai. D'accord? Mais on va mettre un peu ici sa vidéo, nous allons écouter. Et ce que je suis en train de faire, je sais tout ce que je cherche. Ça sera la dernière fois que je fais allusion à quelconque blogueur. Damien a décidé de tracer mon chemin tout seul. Je vais le tracer mon chemin tout seul comme ça. S'il y a les buzz, les bad buzz, je vais en parler. Je me concentre sur mes émissions que je faisais à mes abonnés. Les allô allô, les appels où on papote, on parle de tout et de rien. La nuit des célibats, tout ça, je vais reprendre mes activités normales. Quand il y a des bad buzz qui causent quel artiste, footballeur, influenceur, que ce soit, je vais en parler parce que je suis une blogueuse. Mais tout ce qui concerne cette histoire de blog, quand tu parles ici, on dit non, je cherche la visibilité sur tel. Quand tu fais ceci, on dit non, c'est moi qui ai fabriqué tel. Je préfère rester dans mon coin pour ne plus fabriquer quelqu'un ou pour ne pas que quelqu'un me fabrique. On va commencer par écouter notre soeur blogueuse. Des personnes qui sont dans le comité et ça vous fait encore mal. J'ai vu peut-être que j'étais la tireuse de valise. La fille la plus vilaine, mais qui se croit trop belle. Mais qui est obligé de faire recours à la chirurgie pour avoir une forme parfaite. Jamais de la vie. Alors, désolé mademoiselle, ou c'est mademoiselle, parce que tu es... Non, je vais être plus sérieux, chérie. Tu es une mère célibataire, donc tu as 6 enfants. Apparemment, tu as 2 petits-enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour rentrer dans le clash avec toi. Yeah. Après, tu es d'une bassesse qui n'en dit pas son nom. Yeah. Pour moi, tu es de la pourriture. Oui. Pour moi, tu es de la merde. Pour moi, tu es de la racaille. Parce qu'une femme qui ne prend pas soin de sa peau, une femme qui n'a pas éclat beauté, regarde-moi. C'est 5 étoiles sans filtre, s'il te plaît. Regarde-moi très bien. Je n'ai pas d'écailles de poisson sur mon corps. Regarde. J'ai des traits. Voilà, je suis une africaine. On appelle ça anti-balle. Regarde-moi, j'ai point de beauté ici. Regarde-moi, je te montre mon corps. Je dis ça, c'est sans filtre. Vous savez tout ce que je ne sais pas me maquiller. Regarde mes mains. Regarde-moi. Regarde mon teint. Je suis bien velue. Hein? C'est pour ça que j'aime m'épiler. Tu as vu mon corps? Je n'ai pas d'écailles de poisson. Je n'ai pas de gratté sur le corps. Ce soir, ce n'est pas un clash. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Je suis à un level où je ne dois plus te répondre. Mais c'est une dernière vidéo. Parce que tu es un poison pour la toile. Okay. Et si on doit te suivre, on va tous se bagarrer sur les réseaux sociaux. Pour éviter ça, là. C'est une dernière vidéo qui te concerne toi et ton frère AP. Et puis, à partir d'aujourd'hui, là, je fais mon chemin tout seul. D'accord? Je fais mon chemin. De toute façon, je fais mon chemin déjà tout seul. Mais plus jamais, je fais allusion à qui que ce soit, qui concerne qui que ce soit.
Merci. On continue. Elle est s'asseoir là et quand on entend parler du comité, pensez qu'elle a quelque chose à dire dans ce que nous disons. La chose, ça ne te concerne pas. Qui a parlé de toi? Non, sérieux. Qui t'a demandé quoi que ce soit? On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Personne ne t'a demandé de prendre tes bagages pour courir pour rentrer dans le comité. Personne ne t'a demandé. Oui. C'est Apoutchou même qui... Alors, cette fille dit ici que personne ne m'a demandé de rentrer dans un comité. Pourtant, c'est nous qui avons créé ce comité. Ce comité, Leslie faisait partie des gens qui attiraient les gens pour rentrer dans ce comité. Mais je ne vais pas revenir dessus. Parce que ni toi, ni ta sale gueule, ni le comité de merde ne m'intéresse. Ce comité de voleurs et d'arnaqueurs ne m'intéresse. Voilà. Ceux qui ne savent pas travailler ici en Europe, là, c'est eux qui vont s'acharmer, fouiller dans le portefeuille du comité. Moi, Leslie, ça ne m'intéresse pas. Facebook donne l'argent. Dans la vie réelle, je fais des pubs. Tu m'as vu aujourd'hui en direct et compté Jay. On me paye pour des pubs. Ils sont en train de me reposer. Je suis trop fâchée le lundi, voyage pour aller travailler, pour aller glisser. Parce que je sais ce que je sais faire de mieux, être danseuse, être une gogo danseuse. Être une stripteaseuse, c'est ce que je sais faire de mieux, à part le blog. D'accord? On va y aller, mollo. Quoi de la considération? Oui, mais lui-même, ça a le limite aussi. Ah, c'est moi si pressé. Ah, mais tu me connais? Moi, c'est pas pressé. Quand je fais ce chose, c'est assis, le jeu. C'est lui qui fait, oh, est-ce que c'est moi, il fait? Il est assis, il le regarde. Quand ça le met, bim! Il me connaît. Oui, vous parlez, c'est lui qui s'est moqué de moi. Je suis une grande moqueuse. Que ce soit en direct, que ce soit en direct. Oui, quand il m'attend, c'est pas sa chose, il était assis, il le regardait. Il était là, est-ce que tu m'as bien parlé? Aïe, qu'est-ce qu'elle fait la chose, c'est moi quand ça l'a dérangé. Ça ne me dérange pas, mais quand ça l'a mis là, elle a commencé à pleurer. Personne ne lui a demandé quelque chose. Le seul, il a commencé à pleurer. Il veut me tuer, il veut me tuer. Elle a bien mis. Oui. Pour le moment, il te regarde, il fait les choses. Il le regarde, il vient là. C'est ma pop. Au fait, on ne sait même pas ce qu'elle raconte. Cette fille est d'une manipulation. Au fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de grave à appeler et qu'il se plaignait chez elle, au fait. Partagez le direct. Je ne vois plus les étoiles, mes bébés. Mettez les étoiles, s'il vous plaît. On va continuer le direct. Partagez. On a combien de directs, chérie? Est-ce qu'on atteint là-bas les 2000 partages? Sors, tu rentres. On a combien de partages, mes amours? 1100. Allons à 2000 partages rapidement. Il nous reste 900 partages. Merci, chouchou, pour les 200 étoiles. Envoyez les étoiles à votre sexy 5 étoiles. Envoyez les étoiles, mes bébés. Ok, bon, c'est à toi. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, moi, ma bouche, tu n'as pas me voir dans tes affaires. Oui. Une hypocrite comme ça, tu n'as pas me voir dans tes affaires. Alors, je suis hypocrite en quoi, ma chérie? Question. Moi, laissez, je suis hypocrite en quoi? Question. Je ne suis pas en prison avec vous, au fait. Ouais. Je ne suis pas dans votre comité à deux balles. Je ne suis pas dans votre comité de merde. Je n'ai signé des pactes avec aucun blogueur. C'est clair. C'est parce que je suis Leslie 5 étoiles, que j'ai de l'affinité avec Apoutchou, que je n'ai pas le droit de parler avec Lolo Beauté. Mais ma chérie, tu te plantes le doigt dans le cul. C'est tout. Tu te plantes le doigt dans l'œil, au fait. Moi, je suis libre de parler avec qui je veux. Si parler avec X ou parler avec Y, ça va faire qu'on est des hypocrites, mais sauf que tu es la pire des sorcières. C'est clair. Parce que étant dans ton comité, toi, tu cherchais nos adresses pour donner à bouche de chameau pour qu'elle nous porte plainte. Pourtant que tu étais la présidente. Ben oui. Toi, tu es une sorcière, ma chérie. Tu es la pire des espèces que je n'ai connues. Tu cherches, tu as même menacé certains blogueurs qui résident à Abidjan pour leur dire que s'ils n'arrêtent pas d'insulter bouche de chameau, toi, tu vas chercher nos adresses pour lui remettre, pour qu'elle nous porte plainte. Et tu vas pas venir me parler d'hypocrisie. J'ai signé pas que t'es quelqu'un. Question. Ou bien j'ai signé pas que t'es ton père. Question. J'ai signé pas que t'es ta mère. Question. Sur les réseaux sociaux pour dire que comme les signes qu'on n'a pas posé. Tu es malade dans ta tête, mais ils ont chié dans ton cerveau. Je vais être calme ce soir. Je vais être très calme parce que j'ai un message à passer et je veux que le monde entier l'entende. Je veux que le monde entier l'entende. Pause publicitaire, partagez le direct. On doit atteindre la barre de 2000 partages. Je vous présente ma copine. Elle s'appelle 6 étoiles. Elle va changer de coiffure dorénavant. Pour le moment, on n'a plus de publicité de mèches humains. Donc, on n'a que les publicités des tresses en ce moment. Donc, 6 étoiles à une tresse ici, que vous connaissez déjà. Ça, c'est une nouvelle. Il y a le bleu. Demain, je vais mettre le bleu. Vous voyez, les tresses sont très jolies. De ce côté, il y a une seule couleur qui frappe super.
Voilà, quand elle parlait comme femme de blanc, je parle. Hein. Donc c'est pour vous dire que c'est le Mbrakata Facebook. Voilà, alors nous sommes en promo en ce moment pour les tresses. S'il vous plaît, quand je mets les numéros, prenez le temps d'écrire. Après, si vous ne trouvez pas les numéros, vous pouvez me contacter, je vous donnerai, d'accord? Alors, je vous montre aussi le derrière. Ma copine 6 étoiles. Vous voyez un truc doré là. Mettez-moi mes étoiles, merci mes bébés, mettez les étoiles. 6 étoiles, en ce moment est en promotion. Donc, 2 perruques achetées, la troisième à moitié prix. Voilà. C'est des perruques qu'on peut porter en été et en hiver. En ce moment, en Afrique, les filles portent ça, c'est en vogue et tout ça. Voilà, donc, une perruque et 2 perruques achetées, la moitié à moitié prix. La troisième à moitié prix. Ensuite, oh, faut pas que tu as tombé. Nous avons Éclat Beauté, vous regardez bien mon teint. Voilà, corps caramel, le teint caramel. Voilà, Éclat Beauté, le savon gommage. Alors, Éclat Beauté fait un teint métis, teint blanchissant et quinto. Et anti-végétures. Éclat Beauté a 3 gammes, plus le savon noir du Nigeria. Ça, c'est le lait corporel pour les femmes noires, donc pour entretenir notre corps. Vous avez vu que ça fait quelques mois, mon teint, je ne clairci pas, mais mon teint, il devient de plus propre de jour en jour. Il est soigné, il est nourrissant, il n'est pas froissé, il est super bien. Alors voilà, on a le savon, on a le lait corporel. On a le gommage, on a tous les produits. Dans la gamme, on a 6 produits. Ensuite, je vais vous présenter Yoni. Yoni a plusieurs produits. Voilà. Ah, c'est gélule minceur. Moi, j'ai pris du poids, j'ai commencé à prendre gélule. Ça, c'est huile. On a encore du plastique parce qu'on a voyagé avec. Voilà. Ça, c'est l'huile pour la foufoune. Voilà. Pour les femmes qui sont un peu sèches du côté de la foufoune, avant de faire l'amour, vous mettez, ça va réchauffer votre foufoune. Ça va vous donner des sensations et ça va vous faire que vous allez mouiller. On a des gélules minceurs. On a lotion et ensuite, ça c'est ma crème magique. Mon comment on appelle ça? Voilà. C'est une mousse intime. C'est une mousse intime, ça se présente comme ça. Voilà. Donc vous prenez ça, vous mettez du... Voilà, vous lavez, je ne vais pas être trop grossière ce soir. Je vais rester dans mon sérieux. Voilà, je vais rester un peu dans mon sérieux. Vous lavez bien votre foufoune, ça coupe les odeurs, ça coupe tout ce qui est perte blanche, ça coupe vraiment beaucoup de choses. Ça vous donne une odeur naturelle de votre chatte. Ça ne parfume pas la chatte, ça laisse une odeur naturelle de votre intimité. Voilà, ça sent pas la merde. On va continuer, hein? On va continuer rapidement avec une femme qui n'a pas de vie. On va donner un peu de vie ce soir. C'est ma copine, il a fait ton nom pour le donner aux artistes pour qu'ils m'ont acheté le pan. Alors je vais m'arrêter là, c'est la partie qui m'intéressait. Elle a dit que moi je suis en train de fafouiller à Poutou et que lui il a dit c'est ma copine. Genre il cause de moi avec elle quoi. Et lui il dit c'est ma copine et que lui il a pris mon nom pour aller donner aux artistes. Yeah. Au fait ça me fait rire parce que cette fille a envie de créer la deuxième guerre mondiale à Facebook. Et je ne vais pas lui donner l'occasion. Je vais m'exprimer aujourd'hui, je ne vais plus parler de ça. Partagez le direct, envoyez les étoiles, je ne vois plus que les étoiles montent. Envoyez les étoiles, mes bébés. Mademoiselle, la mère célibataire qui n'est pas heureuse avec ses enfants. Mm-hmm. Parce que les mères célibataires sont tellement épanouies, elles sont occupées avec les enfants qu'elles n'ont même pas le temps des réseaux sociaux. Toi, la seule mère célibataire la plus... franchement, j'ai pas envie d'être grossière. Je vais essayer, au fait. Tu es dans la manipulation totale. On dit le lait corporel est combien? Inbox, s'il te plaît, je ne connais pas le prix. Tu pourrais appeler le numéro d'Éclat Beauté, mais appelle-moi Inbox, je te donne le numéro, d'accord? Mais je pense que les numéros sont, les prix sont là. Hein? Regarde dans le titre, tous les prix sont là. Tout ce qu'Éclat Beauté a à disposition, tous les prix sont là. Tu as dit dans cette vidéo que AP dit, AP, c'est lui qui a donné mon nom au VDA pour aller chanter mon nom. Ma chérie, je vais te faire comprendre que ce n'est jamais lui. D'accord? Non, bébé, laisse. Je ne vais pas le rabaisser. Si il t'a dit ça, c'est qu'il t'a menti. Voilà. Parce que lui-même, apparemment, il a fait un post où il dit d'arrêter de raconter des mensonges. Moi, Laetitia, je ne suis pas une menteuse. Apparemment, il a vu ta vidéo. Mm-hmm. Où il dit arrêter de raconter des mensonges pour pouvoir faire mal à Laetitia. Mais Laetitia, il sait que moi, tout le monde sait sur Facebook, je ne suis pas une menteuse. Et puis, je ne peux jamais mentir sur lui pour te faire plaisir. Que lui et moi, on s'est dit quoi d'extravagant pour que j'aie menti sur lui. Hein? C'est jamais lui. Ils étaient en studio, en live. Et puis, un de mes vieux pères qui est à côté de lui m'a appelé. Et puis, j'ai causé à eux.
C'est comme ça qu'ils ont mis mon nom. Mon mec, il a dit, hey, c'est comme aller me remettre mon nom. Ils étaient en live, ma chérie. C'est comme ça qu'ils ont. Quand le son est sorti, la bombe ne savait pas qu'ils allaient mettre mon nom. Pas il y a des artistes, quand ils sont en studio, quand ils les appellent, mais pas mon nom. Je me suis réveillée le matin. J'ai entendu mon nom. C'est Sandy même qui m'a réveillée. Ce n'est jamais Apoutchou, ma chérie. Si Apoutchou avait le pouvoir de mettre le nom de tous les blogueurs, tu serais la première. Parce que c'est toi là. Tu donnes toute ta vie pour lui. Moi, ma vie là, je la réserve pour ma fille. Je ne suis pas là pour me livrer pour quelqu'un d'autre. C'est mon frère, je respecte l'hierarchie virtuelle. Tu veux nous mettre en palabre à un point que tu ne fais que mentir. Si c'est toi qui mens, mais c'est lui qui a raconté ça, c'est. Mais tu mens d'une manière pas possible. Il sait qu'il ne t'a jamais dit ça. Parce qu'il a entendu mon nom dans son VDA. Donc tu penses forcément que notre jeune frère AP a appelé VDA pour dire oui, maintenant on est laissé 5 ans. Tu penses qu'il ne nous suit pas sur les réseaux sociaux? Ces artistes-là de Côte d'Ivoire, tu crois qu'il ne nous suit pas sur les. Merci Patricia pour les 500 étoiles. Tu penses qu'il ne nous suit pas sur les réseaux sociaux? Non, franchement. Tu penses qu'ils ne savent pas que Leslie a combattu pendant cette crise de football? Tu penses qu'ils ne savent pas? Que je. D'abord, on m'a appelé, j'étais au studio, en plein live là. Tu penses qu'ils étaient obligés de mettre mon nom? Ils ont regardé mes lives. Ils ont vu comment j'ai combattu, comment j'ai porté le maillot, comment j'ai mouillé le maillot. Je méritais que mon nom soit là-bas. Toi, tu qui te connais? Tu veux t'accrocher sur la voiture, tes dents là. Au fait, il vient de mettre mon côté classe, mais ça ne va pas au fait. Toi, tu veux t'accrocher ta dentition sur. Sur le volant et le capot de voiture d'AP comme un requin pour sortir dans ces vidéos, moi j'ai pas besoin de ça, mise. Déjà, mon corps même là a-t-il la visibilité. Ma bouche, on n'en parle pas. Donc, tu parles de quoi? C'est toi, tu recherches la visibilité. Je viens de gratter les couilles du pauvre. Et c'est celui qui dit ses couilles n'ont plus de crampons afin que tu accroches dans ses testacles. Peut-être la recherche de la visibilité. Tu crois que toi et moi on est pareil? Hé, je suis la jet que l'MPP te fait peur. Et puis, il te fait trembler. Ton rêve, là. De toute façon, après, avec les autres, on a su que c'était une guerre qu'on n'avait rien à voir dedans. Après, il a décidé de se détacher d'eux. Mais toi, les petits amis qu'il a, là, tu viens me bras, tu viens gâter tout pour le laisser seul. On va avancer, on va décortiquer ton direct. Et puis, je t'ai dit que c'est la dernière fois qu'il parle de ça. Une sorcière ambulante. Tu es incapable de laver ton nierre. Et c'est toi qui es venu parler les jolies femmes comme nous. Franchement, voilà une fille qui dit que moi, c'est la chirurgie qui m'a rendue jolie. Mon ventre est plat naturellement. C'est un enfant même qui fait qu'il grossit. Merci pour les 200 étoiles. C'est un enfant qui fait qu'il grossit. Quand il grossit, mon ventre sort. Tu as vu mes fesses, comment c'est des larges, non? Tu as vu mon bassin, c'est mon comme ça. Ça n'est pas trop grossi. Parce que c'est une danseuse professionnelle. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Quand je fais mon enfant, mes seins n'étaient pas comme code. Tu m'as vu ici quand il dansait dans un baignoire ici. Mais c'est pas comme pour toi, on plie, on dirait testacle d'un vieux bella où on plie là, non. Mes seins sont comme ça. Seulement qu'il y a une maladie des seins sur mon sein gauche, mais c'est ici. Sein droite. Donc ça veut dire que mes seins, un était petit, un était gros, j'aimais pas. J'ai pris mon argent, et puis j'ai pris mes 5 000 euros, je suis allé te faire la chirurgie. On fait la chirurgie qui peut, pas qui veut. Tu veux, mais tu peux pas. Sinon tes fesses sont des tapioca tapés. Les gens sont déjà à Kassa, on a giflé quelqu'un et puis c'est dehors là. Yeah. Toi, tu es sans forme. Tu rêves d'avoir mes seins. Tu rêves d'avoir mes fesses. Mes fesses sont naturelles. Mon visage, je le sais tous les jours là. Mon visage est naturel. C'est tout. J'ai retouché mes seins parce que je me sens que je trouvais qu'il y a quelque chose qui avait changé sur mon corps. J'ai jamais rien touché sur mon corps. Tout mon physique est naturel, ma chérie. Tout. Si ça te fait mal, va te mettre oreille, tu écartes tes dents. Le reste, c'était deux graines de dents. Et puis, tes genoux va écraser le reste. Tu as compris, ma chérie? On va avancer. C'est quelle haine, ça? Mon parce qu'il savait qu'il avait déjà chanté mon nom. Donc, il mettait mon. Elle dit qu'il savait qu'il avait déjà chanté. Moi, je savais qu'il avait déjà chanté ton nom depuis notre trou de Jessie. Moi, j'avais déjà écouté cette musique. Je lui ai dit, hé, mon frère, non, musique, deuxièmement, pas mon nom, il a commencé à rire. Moi, j'avais déjà écouté cette musique. Pourquoi chanter le nom doit faire une sorte de drame sur les réseaux sociaux, ma chérie? Vraiment. Pourquoi cette haine envers tes soeurs blogueurs? Tu dis, cette haine virtuelle que je ne comprends même pas. Une femme, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas l'estime en soi. Donc, tu vas obliger les autres à te faire détester. Mais moi, je m'aime, ma chérie. Moi, je peux me regarder devant un miroir pendant 30 minutes quand je me réveille. C'est moi, laisser, je peux écarter mon polo devant un miroir. Et puis, je vais admirer la douceur et la mousseur, la mousseline de mon nierre. Je m'aime tellement, ma chérie. C'est moi, je me mets devant le téléphone, puis je cadre, je fais tuec.
sans caleçon. Puis il regarde après, il dit, ouais, maman, tu as les intelligents propres. J'aime m'admirer. Je m'aime avant que quelqu'un d'autre m'avait aimé. Toi, tu as honte de ton corps. Ta poitrine, même tes doigts, tu as honte de tes mollets. Tu as honte de tes cuisses. Tu as honte de ton ventre. Tu as honte de tes seins. La seule chose que tu veux nous présenter, c'est des perruques inachevées. Avec des visages rocambolesques. Dit d'un film de Barbier. Tu as honte de porter un débardeur ou une robe moulante. C'est pas de la vulgarité. Là, je suis sexy sans être vulgaire, ma chérie. Je suis très sexy, classe, sans être. Oh. Ma copine est tombée. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Mmh, attends, elle a soulevé. Pas fâchée, fâchée. Oui. Ma chérie, oh Dieu, la perruque n'a pas laissé sa tête. De toute façon, elle n'est pas payée. La personne. Ma chérie, toi, elle va plus des perruques. Elle va envoyer quelques perruques. Ça, là, c'est pour mettre moi-même mes propres perruques dessus. Hein? Tu ne t'aimes pas, tu n'as pas l'estime en toi, ma chérie. Faut t'apprécier. Tu peux être sexy, classe. Porte-nous des robes moulantes. Des belles robes moulantes. Quand tu viens, tu sors de l'ordinaire. Tu deviens la mère qui s'assume. Qui assume qu'elle a un ventre noir. Qu'elle a des végétus. Tu peux porter des trucs à taille haute. Tu peux te fourrer avec une belle chemise. Un jean près de corps. Mais c'est quoi? Tu ne te mets pas en valeur? Tu te mets pas en valeur? Tu veux empêcher les autres femmes de s'assumer? Moi, j'assume mon corps. Et c'est pour ça que tu vas me traiter de prostituée. Mais tant mieux. Au moins, je ne mourrai pas avec deux frères. C'est ça. Parce que la pire des salopes, c'est celle qui rentre dans une maison, qui finit le père, la mère, la cousine, la tante, et qui lape le con de la grand-mère. Yeah! Toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes, ma chérie. Moi, je suis un autre level. Là, là, je suis venu parler avec mon agence. J'ai le choix de choisir entre Londres ou l'Espagne ou la Suisse ou l'Allemagne ou la France pour travailler. J'ai mon kaolo qui peut me le permettre. J'ai pas 17 cafards dans la maison. J'ai pas 15 rats. Ou je ne fais pas élevage d'enfants qui ont m'empêché de voyager. Mon mari me comprend. Il adore ce que je fais parce qu'il sait que j'adore ce que je fais. C'est pour ça que je suis la plus grande pute du monde, mais je préfère l'être, mais dans la propriété, pas avec des poils qui vont accrocher sur les narines. C'est-à-dire, dès qu'on t'attrape, dès qu'on te dit bonjour, on s'accroche sur tes poils. On est désolé pour ça. D'accord? On va continuer. Papa, ça n'est pas bon pour toi. Tu allais être encore doublement frustré. Et comme il a de l'amour pour toi, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'amour. Vous voulez diriger la relation que les autres ont avec les autres. Pourquoi ça, c'est rien? Le jeu que tu as sorti, c'est lui. C'est son rêve. Elle a dit tout ça là-bas. Elle dit le jour que tu vas sortir sur lui. Le jour que je vais sortir sur lui. C'est qu'il a zaillé. Le jour que je vais sortir sur lui, c'est qu'il est sorti sur moi. Le jour où je vais sortir sur lui, c'est qu'il a tiré sur moi à balles réelles. Vous avez vu son compte. Vous avez vu comme à quoi elle pense déjà. Putain, cette femme pense au futur négatif. Son souhait, c'est que... Ça dit que son souhait, c'est que je sorte sur ce jeune frère qui ne m'a rien fait. Je suis une blogueuse. Quand je dis, je vais aller la prochaine fois dans ton Oscar. Oh, tu as payé mon hôtel. J'ai mes raisons, je suis une blogueuse. Je demande mes droits. Je demande mes droits. Ça a quoi avoir avec les clashs? Ça a quoi avoir? Tu vas sortir sur lui. Donc ton souhait, c'est que je m'assoie. Par exemple, tu as fait le même souhait quand tu allais t'asseoir chez sa mère en faisant le doigt d'honneur pour que pas talon démolisse cette femme. Tu es incapable de défendre même un cadavre. Akpamov, tu es incapable de défendre même une mouche. Parce que tu n'as pas l'art de la parole. Même quand tu parles, tu as une sorte d'hypocrisie, une sorte de sournoisie en toi. Tu es incapable de défendre quelqu'un avec corps et âme. Mais quand moi, Leslie, ou d'autres bloqueurs déposent les caméras, on sait qu'on se bat pour une cause noble. C'est quand c'est le mbrakata. Le français, ça sort comme ça sort. D'accord? Toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Tu as cette frustration en toi parce que tu n'es pas écouté. Tu ne parles pas fort. Tu n'es pas entendu. Cette frustration, tu l'as en toi. Parce que ce pouvoir, Dieu me l'a donné. Et mes ancêtres me l'ont donné. Ça veut dire qu'il y avait parlé dans certaines choses de buzz, mbrakatala. Mon mari dit, ferme ta gueule. Parce que quand tu parles, tu te vois en petite. Mais ta voix s'en va au 43e bima. Ça veut dire que souvent, là, il voit certains buzz, il ne met pas ma bouche dedans. Une sorcière ambulante. Comment tu peux souhaiter le clash entre moi et Apuchu National? Yeah. Comment tu peux penser à ça?
Non, tu es une vraie bad bien même. Ça veut dire tout le clash que ce jeune a eu, les injures qu'il a supportées vis-à-vis de sa mère. Et toi et moi, on s'est battus pour le sortir la tête de là. Mais toi, tu es en train de l'imaginer, tu es en train de prier, tu es en train de protester, tu es en train de prier pour que je le clash. Et toi, tu as venu t'asseoir pour dire, je t'avais dit, le jour où je le clash, c'est qu'il a tiré à balle réelle. Faut que tu comprennes ça dans ton nien, va moi. Pas bien là. Quoi? C'est toi, tu es l'homme. Non, toi, tu es l'homme. Toi, tu es l'homme. Viens t'asseoir. Tu es allé faire droit d'honneur. Tu es allé faire droit d'honneur. Moi, c'est allé faire droit d'honneur. Tu es venu, tu as combattu ça. Mais le lendemain, tu es parti t'asseoir chez quelqu'un pour aller insulter la maman de la personne à qui j'ai fait droit d'honneur. Eh bien, mais malgré ça que tu m'as insulté, envoyez les étoiles. Dit, pourquoi j'ai fait le droit d'honneur? Envoyez les étoiles. Quand tu faisais ta vidéo, tu as vu que tu n'avais pas de vues. Tu as commencé à insulter la maman de la personne. Mais t'as assis, t'es là. Et c'est son... Au fait, voilà une arriviste. Une fille qu'on peut... Ça dit qu'on peut lui donner 2000, 3000 euros. Elle oublie qu'elle n'a pas de dents. Ça dit, on te donne 3000 euros, 2000 euros, 500 euros. Et tu passes devant le dentiste comme s'il n'avait jamais existé. Tu passes devant le dentiste en oubliant que tu n'as pas de dents en bas. Tu es une arriviste. Tu parles que des vues. Ça peut arriver aujourd'hui, j'ai 50 vues. Demain, j'en ai 10 000. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, ça descend, ça monte. C'est ça. On n'est pas... Moi, je suis arrivée à un niveau. Ma chérie, j'ai des fans au Bénin. J'ai des fans au Togo. J'ai des fans au Nigeria. J'ai des fans partout dans le monde. Ouais. Et je vais faire commencer à faire les tours en faisant des conférences. Si les Ivoiriens ne me prennent pas au sérieux, j'ai des fans ailleurs qui vont me valoriser. Et tant que je n'ai pas déclenché ce premier pas en faisant mes conférences, en faisant mes tours, en rencontrant mes abonnés, je vais toujours rester là à papoter avec une dentée comme toi. Une chienne. Je suis là. Et toi, tu es en bas de mes chaussures. Jamais je dirais que tel blogueur est devant moi. C'était avant. Aujourd'hui, je suis la numéro 1 et non la numéro 2 de quelqu'un. Je ne vais plus jamais me sortir dans ma bouche. Parce que dans la vie, on dit que ce que tu dis. La bouche, la parole condamne et la parole libère. Je reste et je demeure. La number uno de ma génération. Après moi, c'est les vonvons. Après moi, c'est le caniveau. Après moi, c'est le village. Si il n'est pas content, ils sautent, ils calent. Ils sucent le courant. On avance. Direct. Pour te dire que tu n'as pas de logique et tu n'es pas intelligente. Voici une femme qui est intelligente. Une femme qui est très intelligente. Très intelligente, mais qui a laissé deux enfants en Côte d'Ivoire. Dans deux enfants, il y a un qui a fait un. Donc, tu es déjà grand-mère à ton âge. D'accord? Une femme très intelligente qui vient en Europe, qui ne fait pas un enfant pour le Kaolo. Deux enfants, peut dire que c'est accident de l'aventure. Pour dire que tu fais mes enfants, je cale un, j'ai mon Kaolo et aller travailler. Non. Une femme très intelligente, très cultivée, qui parle le français, qui a accompli comme toi 10 ans d'Europe, tu n'as même pas une petite voiture de 1000 euros. Yeah. Pour dire que les enfants sont à l'école, même si la voiture est pas. Mais non, pour mettre les enfants derrière, pour aller à l'école, les redéposer, même faire une virée dans ta voiture. Jamais. Ça, c'est une femme intelligente. Une femme intelligente. Intelligente qui se donne à un homme qui n'a pas de domicile fixe. Qui prend une grossesse avec le grand frère. Deuxième avec le petit frère. Troisième avec le grand frère. Quatrième avec le petit frère. Une famille rocambolesque digne d'un film de porno. Yeah. Une fille qui dort chez sa belle-mère. Que sa belle-sœur, on la dabat, on la framponne, on la fracasse. Elle a fini avec tous pas avec ses cousins. Tu fais les tous pas avec le grand frère, le petit frère. Tu finis. Celle qui t'a logé, la grand-sœur de ton mari qui t'a logé, tu veux mougou ça. Hey. Tu veux mougou la grand-sœur. Tu veux laper, tant que tu es une info. Tu veux laper même le nien de la grand-sœur, la vue, tes dents et la poum. Tu as sauté sur son mari, tu es il a poum. Ça, c'est une femme qui est très intelligente. Une femme intelligente qui est en France depuis plus de 10 ans, qui n'a même pas pris crédit d'un pavillon. Ça veut dire qu'elle allait travailler même en CDI pendant 2 ans. Hey. Pour qu'on lui donne un pavillon, envoyer les enfants à la crèche. Oui, une femme intelligente, hein. Tu n'as pas eu l'idée d'envoyer tes enfants à la crèche. Pitiation. Et puis aller travailler, faire 2 ans de CDI. Pitiation. Et puis tu prends un pavillon, au moins à 1 heure de Paris ou à 2 heures de Paris. Tes enfants, chacun à sa chambre. Et puis tu es calé, tu es dans ta maison, tu es dans ton jardin, les enfants peuvent jouer dans une piscine en plastique. Tu n'as pas réfléchi à ça. Tu es au cœur de Paris, dans un 115, et tu oses parler à une fille qui a fait 3 ans en France. Hey. Qui a une voiture, qui voyage tout le temps quand elle peut et quand elle veut. Yeah. On n'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est ton dernier direct sur toi.
Tu n'en vaux pas la peine. Tu es une racaille, tu es une pourriture pour moi. Sécurisez le direct. Le direct est signalé. Merci. Aploplonou. Oui, en fait, elle est jalouse. Et oui, elle est très jalouse. Voilà une fille. Quand elle fume le banga, quand elle fume le bédo, quand elle se pète la gueule, elle oublie qu'elle est sale. Elle oublie que son nien sent mauvais. Elle oublie qu'elle est pauvre. Elle oublie qu'elle habite dans une tour au 50e étage sans ascenseur. Elle oublie qu'elle dort dans son lit avec les cafards. C'est-à-dire que voilà une fille qui oublie souvent. Elle est plane. Quand elle vient sur Facebook, elle voit tout le monde en pauvre. Elle se voit en riche. Elle voit les billets des banques partout dans sa maison. Tellement que le Cali est fort. Elle est bois-bois. Elle est pétée. C'est-à-dire qu'elle regarde Leslie. Quand on dit Leslie est la plus vilaine du monde. Que Leslie a un gros ventre. Leslie, elle est digbamolé. Leslie a fesse plate. Elle dit tout ce qu'elle si elle. Tous ces défauts qu'elle a su elle. Quand tu, parce que la drogue, c'est comme ça. Quand tu prends, tu hallucines. Elle hallucine dans sa maison. Donc tous ces défauts, elle les regroupe sur une autre femme. Qui assume son corps. Une femme épanouie sexuellement. Ça dit, moi, on peut caresser ma joue. L'homme que j'aime, mon bébé, peut caresser ma joue, puis je peux jouir. Tellement je suis épanouie sexuellement. Toi, il faut qu'on te donne les coups de pied sur ton nien, les cacatos. Ça dit, on doit appeler bébé Jack D pour shooter ton nien comme ballon pour que tu puisses même envoyer une goutte de spermatozoïde vers ton nien. Tu veux qu'on en parle? Je ne veux plus te fabriquer. C'est ta dernière fabrication ce soir. Voilà. Allons. Tu sais, dans la vie, la question que c'est vrai, ce n'est pas du tout loin. Quand je vous vois parler, moi, ça me fait rire. Ah, c'est trop loin. Les quand menaces. Je vous vois parler, où sont les moi, étoiles? Ça me fait, on va dire, rire. Qu'on doit être soudé ou on doit avoir des relations. C'est vous qui n'avez jamais voulu être soudé avec qui que ce soit. Vous n'avez jamais voulu être soudé avec qui que ce soit. Jamais. Vous ne savez pas faire la part des choses. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé à chercher les problèmes. À qui? Si on te demande qu'est-ce qu'Edwige t'a fait là, tu ne peux pas répondre. Ah bon? Aller dans un anniversaire déjà, où tu es invité, on ne t'a même pas invité déjà, où moi j'étais invité, j'ai refusé de partir. Parce que je ne voulais pas voir ta sale tronche. Et tu te retrouves avec une fille avec qui j'ai de l'affinité. Et que tu prends son direct. Et tu me traites de tous les noms. Tu dis que tu ne m'as rien fait. Bon, je dis quand tu fumes ta drogue, tu oublies tout. Et c'est dommage. Tu ne peux pas. Toi, je ne t'ai rien fait. Tu ne m'as rien fait. Hein? Je ne t'ai rien fait. C'est toi qui t'es levé le matin. Parce que tu... Au fait, la fille, quand je vous dis que quand elle fume, elle oublie même comment elle s'appelle. C'est-à-dire si elle fume, si elle a bien fumé une bonne rap de Cali, elle est capable de dire qu'elle s'appelle Jonge. C'est-à-dire qu'elle est capable de dire qu'elle s'appelle... Elle s'appelle Jolie Hallyday. Si tu demandes, tu t'appelles comment? Elle est capable de dire qu'elle s'appelle Lolo Beauté. C'est-à-dire si elle a fumé trop son party, là. Si tu demandes, elle est capable de dire qu'elle s'appelle Michael Jackson. Tellement c'est dosé, une fille comme ça. Comment aux yeux du monde, tu as pratiqué la sorcellerie? Tu as pratiqué la sorcellerie? En direct de Facebook. Une fille que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Grâce à Leslie, tu l'as vue, tu l'as entendue. Comme j'ai dit ici. Que cette fille est milliardaire. Tu as commencé, comme tu es une mendiante ambulante. Tu as commencé à racoler. Et que tu savais que j'étais marraine de la soirée, elle aussi. Moi, j'ai refusé de partir. Je suis couché chez moi, je regardais. Tu as pris son téléphone, ma chérie. Une présidente. Inachevé, ramassé dans des égouts. Une fille qu'on a vautourée dans les rats, dans les égouts de Paris, pour essayer de la laver. Laver son image, rehausser son image. On fait une campagne de lavage d'image sur toi, ma chérie. Mais malgré cette campagne, tu restes et tu demeures une salotologue. Morveuse. Tu as pris son téléphone. Prêteuse d'habits. Combien est-ce que j'étais? Pute. Et tu es venue t'asseoir sur les réseaux sociaux pour tu as profité de cette fille. Et tu dis, tu m'as rien fait. Ok, je considère que tu m'as rien fait. On continue. Que, si tu m'attaques, tu vas avoir des vues. On voit ici la secrétaire perdue là. Voilà une fille qui fait un direct avec 400 personnes. Si elle a trop crié, c'est 600 personnes. Elle dit, Leslie l'attaque pour des vues. Mais qui te voit, Miss? Qui te calcule? J'étais au Bénin en train d'enjoy my life. J'étais en train d'enjoy my life. C'est toi qui as ouvert ta baisse gueule.
ta sale gueule est dentée en disant que moi, je t'ai allé faire le gris-gris. Mais si j'avais fait le zamou là, c'est pour me protéger. C'est pas contre tes dents, parce que tes dents là, les marabouts, ils veulent les gens qui ont les dents. Qui ont les dents normaux, pas les dents, les gens qui n'ont pas de dents. Tu vois un peu ou pas? On avance. Mais c'est avec mon nom qu'elle est en train de se faire les vues. Et n'importe quoi. C'est rien qu'avec moi. Quand elle a assis les pieds, elle dit que si vous ne parlez pas de moi, vous n'avez pas de vues. Moi, c'est la partie qui m'intéresse, on va arriver. Ça me fait rire. Il la regarde et puis il me demande si elle est intelligente. Ah, en fait, c'est les étoiles, les étoiles, les étoiles. C'est que toi, tu veux gérer la relation des autres avec les autres. Voilà une fille, elle n'a tellement pas confiance en elle. Elle pense que moi, je veux gérer sa relation avec Apuchu, au fait. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos relations? Je n'ai rien à branler de votre relation, ma chérie. Au fait, tu peux pas comprendre combien de fois je suis bien chez moi. Si je voulais faire ta vie de merde, de restaurant en restaurant, de bar africain en bar africain, j'allais aller résider à Paris. J'ai les papiers qu'il faut. J'ai les fiches de paye qu'il faut. Vraiment? Pour si je veux prendre un appartement au cœur de Paris, même payer 2000 euros, même 1500 euros par mois, mais c'est un studio. Je peux le faire. Même s'il y a mon HLM ici. Je peux. Ça ne manque pas le jet. D'accord? Mais ce n'est pas mon game. Si je vais à Paris, je veux profiter de Paris. Je suis comme ça. Aller dans les hôtels 4 étoiles, les 5 étoiles. Aller dans les vrais restaurants, les vrais chichas. Rencontrer des belles personnes. Pas rester chez moi dans un minable appartement. Coincé. Et puis sortir dehors me faire les stars. Je ne vais pas rester à la maison, dormir, voilà, veste, voilà, toilette, voilà, cuisine, voilà, cette salle, voilà, voilà, café, et puis sortir, Dieu, aller faire yaya, non. Je préfère rester dans mon bel appartement où je suis. Tu vois la déco ou pas? Deux chambres, bien meublées jusqu'à tes dents. Et quand j'arrive à Paris, je vous fais peur, parce que je sature Paris. Les vrais stars n'habitent pas à Paris. Les vrais stars sont en banlieue, même les milliardaires n'habitent pas à Paris. Ils sont en banlieue parisienne, ou dans les villes. Et quand ils viennent, c'est les grands hôtels. Si tout le monde habitait à Paris, qui allait loger dans ces hôtels de luxe? Petite villageoise. Et tu veux obliger quelqu'un à te donner l'affection qu'il a pour quelqu'un d'autre? Mais elle est bête, hein? Elle est comme un faute, elle est bad bien même. Mais qui a besoin d'affection de qui que ce soit? Toi, tu cours de la bébé de ce frère, mais moi, j'ai pas besoin de ça, ma chérie. On a nos frères sans. C'est mon frère, il me respecte, je le respecte. Tu penses que j'ai besoin de son affection pour vivre sur les réseaux sociaux? Yeah. C'est toi, personne ne t'aime. C'est toi qui es détesté. C'est toi qui a vomi sur les réseaux sociaux. Donc tu as besoin de t'accrocher sur les testacles d'un blogueur qui a de la visibilité pour te poser que tu vis dans ta vie. Parce que les histoires de président de comité, les gens t'ont vomi. Donc du coup, tu as besoin de quelqu'un qui a de la visibilité pour t'accrocher, pour payer l'amour. Moi, je ne paye l'amour à personne. Le contraire, on me paye pour que je donne l'amour aux gens. Et c'est toi, ça veut qu'on n'est pas sur le même. On n'est pas dans le même level. Petite salope familiale. On n'est pas dans le même level. On continue. Bon, qui t'a dit même que tu seras nominé dans les Oscars? Merci. Qui t'a dit que si. Merci, je vais m'arrêter là. C'est ce qui m'intéressait. C'est là que je devais commencer à parler de AP, mais je suis allée plus vite que le tam-tam. Elle a dit, qui t'a dit que tu serais nominé dans les Oscars? Moi, j'ai fait mon blog. Ben oui. Je tacle mon frère AP sans aucune haine. Je lui dis, l'année passée, j'ai dépensé 3000 euros. Tu ne me fais pas le faux coup sur cette année. Tu as minimum payé mon hôtel. C'est pas méchant. Ben oui. Je demande mes droits. Je suis une blogueuse et je suis suivie. Et même si tu n'étais pas suivie. Cette fille dit, parce que dans cette vidéo que vous avez écoutée depuis le début, elle dit, AP lui a dit que moi, c'est lui qui a envoyé mon nom chez Vendia pour qu'on chante pour moi. Pourtant, ce n'est pas vrai. Le jeune a fait un poste, il dit, main, tant mieux. Elle vient ici encore dire que, qui t'a dit que tu seras nominé aux Oscars? C'est une information que je me donne aux yeux du monde entier. Et j'espère que je ne serai pas nominé. Parce que au moins, si la date des Oscars sort, j'ai d'autres programmes à faire. Je dois aller au Togo, je dois aller au Burkina Faso, je dois aller au Bénin, je dois retourner au Bénin, je dois aller au Nigeria. 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, je dois les faire. Tout cet été. Donc, je n'ai même pas le temps. Donc, tu m'annonces déjà que je ne suis pas nominé aux Oscars. Parce que c'est ton frère où tu dois à lui, tu te réveilles à lui. On voit. Tout le monde le savent. Tu dois à lui, tu te réveilles avec lui. Toi, tu avais dit à un blogueur qu'il n'est pas. Qui t'a dit que tu seras nominé aux Oscars? Ça veut dire que cette fille, quand elle n'a pas d'affinité avec toi, quand tu ne lui lèches pas ses sales bottes de merde avec ses pieds qui puent,
Elle fait tout pour te mettre. Ça dit qu'il y a des gens dans le showbiz, ils sont là pour gâter pour les autres. Non, c'est elle. Elle fait tout pour te noyer. Donc si ça tenait qu'à elle. Personne ne sera là-bas. Puis ça tenait qu'à elle, les Oscars, elle allait tourner ça, elle se l'avait happé. Mais ma chérie, si elle a soutenu les premiers Oscars, si les deux Oscars, je ne suis pas nominée. Mais tant mieux, je dirais tant pis. Voilà. On va avancer sans que je danse plus vite que la musique. Qui disait pas dans les Oscars. Ça va pas prendre. Qui t'a dit? Au niveau où peux-tu arriver? Même moi-même, je n'avais pas besoin de me nominer. Non. Voilà une femme qui passe son... Elle n'a même pas tellement confiance en elle, elle se minimise, elle se néglige. Qu'au niveau où peux-tu arriver, il n'a pas besoin de moi, Leslie. Donc, à son niveau d'avant-hier, elle avait besoin de moi. Mais le niveau de cette... d'aujourd'hui, il n'a pas besoin de moi. On va avancer dans la paix du Seigneur. Même moi. Elle dit, je n'ai pas besoin de nominer. On a fait, ils ont fait Elite Award. Tu n'étais pas là-bas. Ça a bien pris. Parlons des élites. On n'avait pas entendu parler de ça. C'est passé inaperçu. Parce que tu t'es fait nominer toi-même là-bas et tu as eu 0,0 vote. Même Jessie a eu vote que toi. Et c'est passé inaperçu. Parce qu'il n'y avait pas les vrais blogueurs dedans. Mettez les cœurs. Je vois son tour de mettre les têtes des morts. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Les gens ont reçu leur trophée. Ils étaient bien contents. Sinon, elle est droite, mon frère. Tu es bien là-bas. Non, c'est lui, tu étais là-bas. On nous dit. Je t'ai bloqué, ma chérie. Est-ce que tu étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas. Mais ils ont fait, non? Ou bien ils n'ont pas fait? Ou s'il a besoin de toi pour lui. Mais attends, ils ont du visibilité. Pourquoi tu n'as pas gagné aux élites à ordre? Où les chaises devaient. Toutes les chaises étaient vides là. Pourquoi tu n'as pas gagné aux élites à ordre? Question. Elite Award, on a su les fans de qui étaient là-bas. Mm-hmm. On sait les fans de quelle influenceuse qui était là-bas. Question. Elite Award, tu as eu 0,00 là. Tu veux qu'on en parle? Mais ce n'est pas le sujet du soir. Continuons. Une salle de 400 places. En fait, c'est le problème que je ne comprends pas. On dit la salle, là, c'est 400 places. Mm-hmm. Il n'a pas besoin de toi. Au niveau où il est arrivé, Emma West le partage. Et? Alors, on va continuer. C'est là combien de millions d'abonnés? Au fait, quand tu as un chic, le partage. Elle me compare à Emma Louès. Elle me compare à Coach à mon chic. Jean, aujourd'hui, à Poutchou, l'année passée, Emma Louès ne partageait pas quand elle a fait les Oscars. L'année passée, là. Quand elle a fait les Oscars. Et puis, on s'est trémoussé, là. Emma Louès ne partageait. Elle le partageait. Coach à mon chic le partageait. Donc, elle veut dire, moi, je ne suis pas encore arrivé au niveau de Emma Louès. Donc, de la fermer. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de Coach Amon Chic. Parce qu'ils ont des millions d'abonnés. Moi, je n'ai pas encore des millions d'abonnés. Donc, de la fermer. On continue. Le Mola, le partage. Il n'a même pas besoin de toi. Lui, il a toute la génération. Tu sais, ils sont combien dans la génération consciente? C'est-à-dire que la génération consciente à eux seuls, ils vont boucler tout. Ils vont boucler tout. C'est-à-dire que la génération consciente seulement. Le nombre quelle de jalouse. Personnes qui sont inscrites dans la génération confiante, ils ont déjà pris toutes les places. Il n'y a plus de place encore. T'as avec combien de places là-bas? Il n'y a plus de place. En fait, il n'a pas besoin de toi, ni de moi, ni des autres, ni des... Ah bon? Donc, c'est une information, ma chérie. C'est une information que Leslie ne sera pas nominée aux Oscars. Donc, vous le savez maintenant. C'est la porte-parole de Happy Place, sa sœur. Voilà, il n'a pas, il a fait un test, mais il n'a pas, il a dit les mensonges, mais il n'a pas démenti le côté que tel blogueur ne sera pas admis aux Oscars. Oui, elle a dit dans son direct que je ne serai pas, dans, je sais pas, nominée aux Oscars de un et de deux. Elle n'a pas, il n'a pas besoin de toutes sortes de blogueurs. Oui. Au fait, tu es méchante. Elle est méchante. Tu fais croire que tu aimes ce jeune homme, mais tu ne l'aimes pas. Parce qu'il voulait rentrer dans la même cadence que toi, il allait démolir AP. Et c'est ton souhait que je le clash. J'allais dire à d'autres blogueurs, vous avez vu. On dit on n'est pas nominé. Il est rentré dans un système qui va à ton encontre. Et tu as le but, pour but qu'aucun blogueur ne parte aux Oscars. Tu veux être la seule aux Oscars. En train de monter les escaliers, on n'a qu'à te filmer avec tes deux graines de dents. Comme Gagamel. D'accord? Donc ton plan allait là, c'est de booster notre tête contre AP pour que nous tous nous pétons un câble et qu'on l'insulte avant les Oscars. Regardez très bien. Je te bloque. Je ne rigole pas ici. Hein. À
Attendez, j'ai bloqué. Oh putain, pourquoi ça va vite comme ça? Ah là, ah là, ah là, ah là, ah là. Son rêve là! Quand elle a dit qu'on n'est pas nominé, elle m'a dit, hein, ne c'est pas nominé, donc après tu joues à moi. Oh! Et puis je commence à jouer les sauvages sur les réseaux sociaux. Mais ils ne rentrent pas dedans, ma chérie. Tu nous donnes une information, on est assis par terre, puis on te regarde. Si Leslie n'est pas nominée, Leslie est nominée, c'est fait, on nous donne. Apparemment, cette année, il aura l'argent. Tant mieux! Au moins, ce n'est pas gratuit. Quand tu nous parles de toutes ces personnes que tu cites les noms, Emma Louez, Okocha Monchik, mais l'année passée, elles ont publié. L'année passée, elles étaient là. Elles avaient toujours les 1 million d'abonnés. Mais on dit Oscar des blogueurs et influenceurs. On n'a pas dit Oscar d'Emma Louez. On n'a pas dit Oscar de Coach Amon Chic. Ma chérie, tellement que tu cherches l'amour, tu te descends toi-même dans la bouffe. Moi, je me préfère. C'est clair. Je m'aime. C'est clair. Et je suis sûre et fière de moi. Et je sais que je suis arrivée à un niveau où je mérite mon prix. Où je mérite mon salaire et que plus personne va profiter de moi. Et ça te fait mal, petite voleuse de merde. Suce le courant et tu arraches tes deux dents qui te restent. Ou Y, au niveau où il est arrivé, il suffit qu'il mette game seulement. Pousse. Oui, il suffit seulement que Mokobé pousse. Il suffit seulement qu'il fallait pour pas pousse. C'est-à-dire qu'il y a un seul pousse. C'est B. Ah bon, hein? Tu dis. On dit Oscar des blogueurs. Si Bali Bouba poste, ça fait quoi? Donc tous les gens de Bali Bouba vont aller là-bas. Mais tu es con, hein? Tu es super con, hein? Mais tu es stupide, au fait. Quand les gens postent tout, c'est pour soutenir, hein? Ah oui, oui, oui. On peut soutenir un lien sur YouTube pour que si la star poste, tout le monde s'en a regardé. Mais pour dire, je poste un événement, ça veut dire que tout va aller là-bas. Je suis désolé, ma chérie. Quand un artiste poste un événement, ce qui pousse ses fans à aller, c'est quand lui, il est là-bas. Donc ce n'est plus Oscar des blogueurs, c'est devenu Oscar des Fali Bouba. Oscar des Mel Gims. Oscar des Emma Lolo. Oscar de Kofi Olomide. En tout cas, merci de nous avoir informé, ma chérie. Madame Akpamov. Maman Aploplo, nous merci pour l'information. Que nous, les blogueurs, nous ne sommes plus dans l'Oscar. Que c'est Fali Bouba qui est Oscar des Fali Bouba. Une stupide, bête fille qui passe son temps à empire. Ça veut dire qu'elle enfonce le jeune. Tu l'enfonces de jour en jour. Les blogueurs vont dire, ah bon, il n'a plus besoin de nous. Ok, nous on s'en, on est assis par terre. Il va faire Oscar et Fali Bouba. Tu es bête. Tu es stupide. Tu es d'une mauvaise humeur. Tu entends le tchoro le petit. Tu sais pas. Mais moi je ne rentre pas dans ton jeu. Les autres vont te regarder, faire ta sorcellerie sur lui. Et on attend tous les Oscars. Où tu dis aucun blogueur. Ou AP n'a pas besoin de blogueurs. Parce qu'il a Emma Louez. Parce qu'il a Matt James. Parce qu'il a Fali Bouba. Parce qu'il a Kofi Olomide. Et parce qu'il a Jésus-Christ TV. On a assis par terre, on te regarde. Et on espère que tu seras la seule nominée aux Oscars. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller trop loin. Je tenais à dire à tous les blogueurs de Facebook. Si dorénavant, je ne dis plus le nom de quelqu'un, ce n'est pas parce que je me sens... Merci pour les étoiles. Envoyez les étoiles, mes bébés. On va couper le direct tout de suite. Nous sommes à 1h08 de direct. Aujourd'hui, si je ne dis plus le nom d'un certain blogueur ou bien d'autres influenceurs ou quoi que ce soit, c'est pas parce que je me la pète. Ou c'est pas parce que je n'ai pas de vue. Ou c'est pas parce que je n'ai pas donné de vue aux gens. Non. C'est parce que j'ai décidé de faire mon chemin tout seul. Et quand tu dis tout le temps le nom des gens, tu veux grandir tes frères, tu veux grandir tes soeurs. Mais eux pensent que c'est pas qu'ils cherchent la visibilité. J'ai décidé de faire mon blog. Et que celui qui va venir ait le nom de quelqu'un, je vais le bloquer. Que ce soit en bien ou en mal. Je vais faire mon chemin, comme je l'ai dit. Tout seul. Et je vais continuer mon chemin dans la positivité. Si un blogueur a un problème, que je vois qu'il a raison, que je dois les défendre, je le défends. Quand il y a un bad buzz, je dois en parler, je vais parler. On va rentrer dans des sujets positifs. Nous allons débattre des sujets, des faits de société. Il y a une dame qui m'a contacté, qui est bénévole au Maroc. On va essayer de... Je suis en contact avec elle. On va essayer de programmer un direct demain. Demain soir, j'ai un petit voyage à faire. Peut-être samedi. Voilà. Fais un petit direct de 30 minutes où elle va nous expliquer ce qu'elle fait comme bénévolat au Maroc. Pour voir comment on peut l'aider. On a plein de sujets. Il y a des gens qui m'appellent du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de partout en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal. Il y a des sujets, il y a des faits de société à parler. Voilà, il y a des frères africains qui sont dans un pays en Europe de l'Est qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, qui me contactent depuis plus de 3 semaines. Mais comme je partais en voyage, je ne pouvais pas trop répondre et tout ça. Ça, ce sont des sujets qu'on va taper. S'il y a des bad buzz, comme vous me connaissez, je suis la number uno des blogueurs
à la diaspora, les Ivoiriens. On va en parler, on va papoter. Je vous promets, je ne vous vois pas vous jurer. Je vous promets ici que plus jamais je fais allusion à AP en le parlant mal par rapport à cette petite gogole. Plus jamais je fais allusion, je vous ai déjà dit pour l'autre et je ne vais plus revenir dessus. Aussi pour elle. Je ne vais plus parler. Même si elle fait 10 000 vidéos, elle insulte mon nom. Parce que souvent quand je dis je ne les réponds pas, ils essaient d'appuyer sur le déranger en insultant mon mari ou mon enfant. Si elle veut insulter mon enfant, mon mari, mes parents, comme elle veut, je ne vais plus jamais la répondre. Et ça, je vous le promets. Je vais la laisser dans son fil. Peut-être un jour ça peut péter si j'ai rien à faire. Mais pour le moment, j'ai décidé de ne plus parler d'elle. Je vais la mettre à l'oubliette. Et si c'est moi, si j'étais en contact, si Lolo Beauté était vraiment une fille avec qui il y avait toujours de l'affinité comme avant, je vais lui demander de ne plus parler de cette fille. Parce que plus sous parler d'elle, elle de 100 vues, elle passe à 400 vues. Plus jamais j'ai ouvert ma bouche, ma belle petite bouche. T'as vu mes lèvres? Tressé bien, comme si j'avais fait de la chirurgie. T'as vu mes dents? Complet. Voilà. J'ai 32 dents. Normalement, je ne sais pas, parce que je ne me suis jamais fait arracher les dents. D'accord? Plus jamais. On me fait sentir ici en direct. Plus jamais je vais parler de toi. Si vous avez des idées, des trucs à me proposer, envoyez. On va développer nos bloggings. On va profiter des vues de Facebook pour gagner de l'argent, pour faire des publicités, pour aider des gens. Plus jamais je vais parler d'une fille qui a osé faire mougou. Ça dit qui a osé mougou avec deux frères. Vraiment. De galasse. Je suis fière de ma sexualité. Tu vas me traiter de lapeuse, de péteuse, de ceci, de cela, de prostituée. Au moins, je suis fière et je m'assume. J'ai décidé de ne plus jamais parler de toi. Parce que j'ai compris qu'elle a un but dans sa tête. C'est de me voir en clash avec un frère avec qui j'ai beaucoup d'affinité. Avec un frère pour qui j'ai laissé ma peau sur Facebook. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui chie et qui lape. Une sorcière. Pour ma fierté. Pour ne pas que cette fille me pousse à bout. Pour ne pas que j'offense un jeune qui ne m'a rien fait. Une sorcière même. Go badjou. Pour ne pas que je fonce, j'offense maman bleu Brigitte. Parce que mes clashs sont pas bien raccommodés. Pour ne pas offenser maman bleu Brigitte. Pour ne pas offenser mon frère AP qui me respecte. Peu importe ce qu'il a dit à cette fille. Je pense que même en amitié, on critique, on braise. Mais cette fille n'a pas, elle n'a pas le tout de garder les secrets. Même si le gars t'a dit que c'est moi qui appelais Vendéa, tu n'as pas le droit de venir le dire. Parce que tu sais que les filles vont sortir, va te démentir. Et ça va aplatir l'autre. Il peut venir se vanter devant toi. Il peut se lancer les fleurs pour se rendre grand devant toi. Mais tu n'es pas obligé de venir dire toujours des conneries. Si je n'arrête pas de suivre cette fille dans la bêtise, elle m'a déjà gâté avec une femme, une fille que j'aimais de tout mon cœur, une fille que j'appelais ma jumelle. Cette fille a osé nous séparer avec sa manipulation. Je parle et puis j'ai envie de pleurer. Elle va plus encore m'avoir. Une salope. Avec mes frères blogueurs. J'aime tous les blogueurs de la diaspora. Tous ceux qui ont pensé que j'ai des problèmes, eux, je les adore. Parce que c'est des Ivoiriens comme moi. On se bat, on se débat, on se détache, on s'insulte. Mais un jour, la paix va régner. Mais il y a une sorcière au milieu de nous. Qui veut essayer. C'est-à-dire que tu sais que AP a au moins 5 personnes qui ne sont pas de même avis que lui. Mais toi, les petits amis qu'il a, les petits blogueurs qui sont prêts à se jab pour lui. Tu veux qu'on se bagarre pour que tu restes seul à côté de lui. Pourtant, tu n'es même pas capable de mener une vraie guerre sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas. Avec sa voix, on dirait trans. J'ai décidé de rester seul. S'il y a un truc, comme mon frère soit un son, que je dois le soutenir, je le soutiens. Mais je reste silencieuse. C'est tout ce qui me concerne les blogueurs. J'essaie de faire mon chemin tout seul. J'ai trop de programmes, trop de choses avec mes abonnés que je dois accomplir cette année avant que 2021 finisse. Je veux être et je veux rester la meilleure de ma génération. Je ne veux plus traîner dans la boue. Sur ce, passez une très belle soirée. Ciao. Je ne veux pas dire ciao sans la musique. Je vais à Marie, mon Dieu de vous. Merci pour les 200 étoiles. J'anime les vivos. Sano, la maudite, au top.
Je